J'ai monté un groupe pour mon projet musical Granny Goes to Heaven, et comme on va bientôt faire du live, on va avoir besoin d'un clavier MIDI. MIDI, ça veut dire Musical Instrument Digital Interface, et c'est une technologie qui a été inventée au début des années 80. L'idée de base, c'est de pouvoir contrôler plusieurs synthétiseurs à partir d'un seul et même clavier, en les reliant à l'aide d'un câble MIDI, et un câble MIDI, ça ressemble à ça. Il y a ce vieux synthé FM de 1983 qui s'appelle le DX7, et qui a été utilisé par des artistes très très connus de l'époque, et plus récemment par Mac DeMarco. Moi j'ai la version sans clavier de cette machine, et cette version sans clavier elle s'appelle le TX7. Par conséquent j'allais avoir besoin d'un clavier pour le contrôler. Un clavier Med j'en ai un mais il est énorme et le transporter en permanence c'est pas prévu au programme. J'en ai un plus petit mais il est à la maison de campagne de mes cousins en Sologne. L'occasion d'aller passer le week-end. Vendredi midi let's go, j'emmène ma maman qui est toujours ultra saucée d'aller à la campagne. La Sologne c'est plein de grands arbres et de chevreuils, d'oiseaux et de petites bêtes et de gens qui ont vécu là avant et qui ne sont plus là maintenant. Il y a des cours d'eau, des chemins et plein d'autres trucs. En arrivant, je me suis mis à chercher le clavier direct. Il doit être dans cette chambre. Ah, c'est pas celui-là. Ça, c'est le sampling grand. Très, très cool. Yes ! Le MIDITECH MT49. Petit, léger, parfait pour faire du live. Et un par ici. Une fois le clavier sécurisé, j'avais plus qu'à profiter du week-end. J'ai posé mes affaires dans ma chambre et je suis parti faire un tour de maison vide, comme j'aime souvent faire. Au début, ça partait en petits moments légers, mais ça s'est vite transformé en session contemplative de début de séjour. Et puis je suis tombé sur ce pan de mur avec les mesures des enfants qui s'étaient succédés dans la maison au fil des années. 1987, Eugène, avril 1906. Putain, t'es grand Eugène. Pierre, septembre 1890. Ça se mélange dans tous les sens. Amélie, 30 octobre 2006. Août 45. Didier, 94 septembre. Eugène, 23 septembre 1893. Marcel, 20 août 55. Même 60 ans qui séparent ces deux lignes. 1895. Il n'y a plus que quoi. Le 30 août 1896. Les années 1896. Là, ah, ça fait une espèce d'univers assez trippant. Hein. Ça a l'air appétissant. C'est cool cette manière de faire des œufs. Je suis allé aider mon pote Anthony à faire des œufs vu que ça semblait partir un peu mal. Faut juste allumer la poêle. Ah ouais. Non, la plaque. La plaque. Attends. Ouais, ça prend forme. Hein. Bah ouais, ouais, regarde, tu vois cette petite croûte là. Il y avait Kiki, Chachou, Nataf, Madji, Maman, Jacose, Georgia et Georges tout court. Et je savais qu'à un moment ou à un autre, tout le monde se chaufferait pour une balade. Et moi, j'ai jamais trop aimé les balades. Vas-y, vas-y, vire ta chaussette. Ou alors j'aime bien ça si je suis tout seul. Ou si je suis dans un endroit précis, au calme, comme quand je me suis posé tranquille à méditer sur le pont au-dessus de la rivière qui entoure la maison. Il y avait une petite brise de printemps et des reflets dans l'eau qu'on voyait à travers les planches du pont. Et du silence avec des chants d'oiseaux.
Skateboard Girl là. Et à ce pur hangar. Quel moyen de s'inquiéter. Évidemment, j'ai pas mes pompes, alors il va falloir que j'en fasse pieds nus. Alors j'ai mis ma casquette en arrière, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai rentré un ollie pop chez lui. Oh. Et puis je suis parti sur autre chose. What the fuck are you doing here? What the fuck are you doing here, man? Je me suis rapproché du sol histoire d'agrandir un peu tout ça. Escape. Et ça tombait bien parce que dehors, il y avait Francky en train de donner à ma mère un cours sur les abeilles guerrières qui protègent les ruches. Mais ils ont compris qu'il fallait pas sortir 10 guerrières parce qu'il y a des soldats dans toutes les ruches. T'as des soldats, t'as des travailleuses, oui. T'as les nourricières pour la reine, t'as toute une hiérarchie. Et t'as vraiment les chiens de garde quoi, qui sont devant la ruche pour buter. S'il y a de l'embrouille, il y a des chiens là. Quoi. Et du coup... En faisant du Razmod, je me suis rappelé Chérie, j'ai rétréci les gosses, film dans lequel un inventeur rétrécit ses enfants par erreur, lesquels se retrouvent à l'autre bout du jardin et doivent se frayer un chemin jusqu'à leur maison en traversant la pelouse. Ils doivent éviter tous les dangers inhérents au fait d'avoir été rétréci, comme l'arrosage automatique, la tondeuse à gazon ou les insectes géants. Je suis repassé dans ma chambre et je suis tombé sur un bataillon de fourmis qui s'intéressait à mes affaires pour je ne sais quelle raison. Ça se balade, on est dans tous les sens quoi, c'est genre... T'envoies des signaux là ou je sais pas, tu fais un truc... Ah, une copine. Vous êtes toujours en train de taffer à quelque chose. Heureusement que je l'ai fermé la housse de l'ordinateur. Hein. Dans cette baraque, il n'y a pas vraiment de frontière entre le dedans et le dehors. On le voit bien sur cette photo avec les plantes qui traversent le mur du salon. D'ailleurs, si tu t'intéresses un peu trop à la faune qui s'y trouve, tu finis vite par passer ton temps à secourir des abeilles et des coccinelles. Cette grosse abeille noire, par exemple, c'est une abeille charpentière dont la spécialité, c'est de creuser le bois pour se faire une maison. La liberté est juste à côté, là. Tu vois ? Il suffit de... aller là, là. Parfois, tu te retrouves aussi à devoir sauver des animaux qui sont déjà à l'extérieur, comme c'est arrivé un matin d'hiver dont j'ai retrouvé les images. C'est cool aussi, pour faire du footing, la campagne. Ah putain, il y a un faisan qui s'est fait attraper dans le piège à ragondins. Attends, attends. Arrête. On va te sortir de là. Attends. Tac. Et maintenant tu peux y aller là. Tu vois, tu peux sortir par là. Allez, t'inquiète pas. C'est là que je me dis, le truc bouge plus là. Ouais, je continue mon footing et puis bah toi tu, hein. Bon. Au début, je me dis qu'il est paralysé par la peur et que si je m'éloigne, il va s'envoler. C'est là que je m'amuse à me faire des scénarios délirants comme genre le faisan ne voulait plus partir parce qu'il était institutionnalisé comme Brooks dans The Shawshank Redemption, qu'aurait préféré rester en prison au lieu de vivre tout seul dehors. Après m'être laissé porter par 2-3 scénarios farfelus, je commence à redescendre sur Terre et me vient alors une idée toute simple. Il s'est assommé ce con ou quoi ? Alors je décide de mener une enquête éclair en regardant de plus près la vidéo que j'avais faite 5 minutes plus tôt, histoire de détecter à quel moment l'oiseau s'était arrêté de bouger. Et là, bim ! On voit bien le moment où il se tape la tête et s'assomme misérablement. Il était donc complètement groggy. Il va peut-être reprendre ses esprits, on va voir. Hein. En repassant un peu plus tard dans l'après-midi, j'ai constaté qu'il avait disparu, mais qu'avec un peu de chance, aucun renard n'était passé par là, et qu'il avait repris sa vie au cœur de la forêt. Forêt dans laquelle on va faire les balades que j'essaie toujours d'éviter. En général, je préfère rester jouer du piano. Mais bon, je finis toujours par dire oui parce que c'est quand même beau les balades, même si ça me rend un peu mélancolique. Thank you.
crois que ça me fait un drôle d'effet, les balades. La Sologne, c'est aussi les apéros dans le potager et les nuits au coin du feu, mais on verra peut-être ça une autre fois. En rentrant à Paris, j'ai branché mon clavier sur mon TX-7 et je les ai emmenés en répétition. Et j'arrive au studio UMJ. Incroyable son bras. Complètement gueux d'un sang. Bonjour. On allait en avoir besoin pour jouer la basse de mon morceau Fear. Toujours avec mon putain de jean troué. UMJ. Monsieur, le studio D. Le studio D ? Ouais, c'est un petit studio. Faites la voix alors. Ouais. Non, parce que j'ai ça aussi dans les mains. Et ça sur le dos là. Ok, donc ça doit être par là. Ah. Évidemment, c'était pas au quatrième. C'est au deuxième. C'est là. Ouais, c'est ça, je reconnais le rythme de Fear. Ah, donc c'est par là. C'est bon, je crois que j'ai trouvé. La première version de ce morceau, vous pouvez la trouver sur Spotify. Je vous laisse le lien en description. Ça va ? Ultra désolé, hein. Bah, j'étais à la moitié du trajet, je me suis rendu compte que j'avais oublié, mais dégoûté.